que le match commence, Jim. C'est l'heure du Blood Bowl. Prêt ? Blood Bowl ! Bonsoir à tous, chers amis fans de sport. L'arbitre passe beaucoup de clin d'œil à cette équipe. Où se peut-être qu'il a une poussière dans l'œil, va savoir. Il y a sur le terrain quelques joueurs très expérimentés. Oh, qu'est-ce que c'est que ce numéro? Bloodweiser? Le breuvage des rois. Ce soir, les forces en présence sont très inégales, mais ça nous promet du spectacle. Bob est tout excité, n'est-ce pas, Bob? Je frétille, Jim. Je frétille. J'adore les matchs déséquilibrés. Ça gicle de partout. Les Bretoniens sont équipés de nobles et de paysans. Les Blitzers accaparent toute la gloire pendant que les trois quarts abattent la sale besogne. Tu portes du parfum, Jim ? Non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. J'aime. Ça s'appelle Charogne numéro 5. Thank you.
ce que dit, ils sont compétentes. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Du corps à corps. Je sens que ça va me plaire. L'union fait la force. Impressionnant. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Je crois qu'il ne va pas le ménager.
savais ça, Bob? L'astrogranite est un composé de sable, de gravier, de poudre d'os et de crânes d'agents virés. Délicieusement craquant. Ça cherche clairement le corps à corps. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ça sent la bonne grosse empoignade. Continue, le syndicat va les blacklister. Yeah!
jamais tué personne de chercher à bloquer le porteur du ballon. Enfin, si, ça en a tué pas mal. C'est quand même un peu le but. En danger. Et le porteur aussi. Bon blocage défensif. Un peu d'air pour le porteur de balle. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Ce joueur est à terre et s'apprête visiblement à passer un sale quart d'heure. Je parie 5 pièces d'or que ça commence par un coup de botte en pleine face. Ouais, ouille. Thank you.
appelle ça l'émergence. Merveilleux! Surtout, changez rien! Allez les gars, tous ensemble! Belle rappel technique et précise, parfois ça prime sur la taille ou la force brute. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich! Regarde ça, Giro! Ces joueurs-là, quand ils sont motivés, pas moyen de les arrêter! Pas vrai, Jim? Ils appellent ça de la lutte, Bob. De lui marcher sur le cou avec des bottes cloutées. L'arbitre a dos tourné. Un peu de tir raisonnable.
viens au secours de ce joueur. Ça va faire mal. Ce joueur préfère se battre entouré. Oh là là, tu ferais mieux de ne pas te remettre de son chemin, garçon. L'attaquant bénéficie de soutien. Écrasement! Les cieux qui roulent dans les orbites, ça ne trompe pas. Il va rester dans les vapes un bout de temps. Ouh, il ne fait pas bon se retrouver là. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Thank you.
C'est un escroc de première. Ça veut dire tu vas 200, c'est pas pour rien. Ce joueur, cet attaquant, il transpire la faiblesse. Cognez plus fort la prochaine fois! Tribune. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. La balle de Bravo n'atteint pas la blanche colombe, ni le porteur du ballon. Ça m'étonnerait. Deux joueurs de moins, ça n'a rien d'insurmontable. Mais c'est pas non plus un cadeau. Ah, plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. Les touchdowns ne vont pas tarder. Le sorcier du studio m'en a promis au moins un avant le coup de sifflet final.
tien suffira-t-il à prendre le dessus? Il s'est fait prêt. C'est bien comme ça que disent les jeunes de nos jours, non? Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Allez les gars, tous ensemble! Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Ah, pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Que faire contre un adversaire cornu lancé à pleine vitesse? Tu vises entre les deux yeux. Il a pris le ballon. Je suis censé dire quelque chose de marquant ou de spirituel? Et bien avec le Blood Bowl, c'est que c'est fichtrement fédérateur. Des orques, des nains, des humains et même des hommes bêtes, tous réunis pour en découdre sur le terrain. Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers.
voir le joueur adverse sous cette montagne de chair. Aïe! Ouh! C'était pas beau à voir! C'est ça! On commence à reculer, puis paf! J'ai entendu dire qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures tout seul. Ils vont en découdre, mano à mano, Bob. Ah, pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Bien vu, ça. Tout est dans l'intimidation. C'était une de mes spécialités quand je jouais encore. C'est bien ça! Qui dit plus de ballon, dit deux points pour cogner! Et le ballon change sans problème de main! Yeah!
L'attaquant bénéficie de soutien. Le travail de l'équipe. Bravo! Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'en-but est en vue. Je me suis entraîné des semaines pour réussir à me relever de cette manière. Mais la gravité était trop forte pour moi. Je suis déçu. Personne n'a été allongé. Cette espèce de... d'assister va. Une bonne chose. Une égalisation bienvenue. Rien n'est encore joué.
joueurs de moins, c'est dur d'en revenir. Il va falloir des remplaçants. Les deux équipes sont au coude à coude. Oh, ce coup de pied est crucial. J'ai déjà joué sur ce terrain, Jim. Si je me souviens bien, on avait perdu. Enfin, perdu le ballon. Pas moyen de le retrouver sous tous ces cadavres. Ah, j'avoue, j'étais de sale humeur. L'union fait la force. Comme disait Yagoul, la victoire revient toujours au plus compétent. Ce joueur préfère se battre entouré. Allez, ne défile pas! À croire qu'ils ont pas envie d'être là! Vas-y, mon gars! Mords-y l'œil! Voilà un joueur qui est bon pour rester sur la touche un bout de temps. Pour cette tactique, c'est ce joueur qu'il fallait choisir, sans hésiter. Le ballon est en sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire.
aurait peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se... se décideront à jouer pour de bon. Ces joueurs sont proches. Le combat paraît inévitable. C'est le moment de vérité! Ça cherche clairement le corps à corps. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Bon geste. Ça, le ballon est moins menacé.
ces joueurs tentent le tout pour le tout. Grosse pression sur le porteur du ballon. Il a intérêt à s'activer. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. De Blood Bowl sous l'autre là. Oui. Ouh, ça a dû faire mal ça. Ça sent la bonne grosse empoignade. C'est le moment de vérité. Bien vu. Désolé de l'interruption. Ah, on appelle ça le baiser de Néfer. Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Ces joueurs se roulent par terre de douleur. Ses adversaires l'ont vu.
bon, ça. Où va le monde si les arbitres se mettent à faire leur travail? Il vaudrait mieux qu'il refile le ballon, maintenant que l'ennemi l'a dans le collimateur. Je sens qu'on va se marrer, surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. C'est comme Pelé à l'oignon. Il y a les couches externes pour arriver à suivre. Je sens que ça va me plaire. Ça ressemble curieusement à un vieux spectacle traditionnel d'Estalie. Ouais, je connais. La tauromachie. Hey, la tauromachie. L'union fait la force, comme on dit. J'ai jamais pu faire cette technique, Jim. À chaque fois que je sautais, tout un pan du stade s'effondrait en tuant les fans. C'était le bon.
bonbon. Il faut viser les yeux quand on tente ce coup-là, Jim. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings quand on a un sandwich. Proche d'un coéquipier. L'attaquant bénéficie de soutien. Un petit somme, et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. Bonsoir.
machine. Ce joueur rebondit plus rapidement qu'un squig gonflé comme une baudruche. Est serré, mais tout peut encore se passer.
me demande souvent à quoi ressemblerait le Blood Bowl si on enlevait le ballon. Ah mais ce serait la guerre, Bob. Pas besoin d'aller au stade pour voir ça. Ouais, c'est pas fou. Sur le porteur. Sasuke! Ah, c'est là qu'on voit la seule vraie utilité du ballon. Identifiez la prochaine victime. C'est comme peler un oignon. J'externe pour arriver à ce niveau. NFL va sourire à se lancer de dés, Bob. NFL sourit toujours, Jim. Mais souvent, c'est pour se foutre de notre gueule. On libère le bord de la balle, c'est propre. C'est un touchdown. C'est que je n'ai presque le cas, il va à nouveau. Ce touchdown, c'est peut-être bien celui de la victoire. Ils ont un meilleur toubib, soit ils cognent plus fort. Je ne vois que ça. Avec deux joueurs de moins, c'est quasi mission impossible. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense.
créature démoniaque. Quel est le problème, Bob? Oh, une bouche de Nurgle dans mon café! Joueurs préfèrent se battre entouré. Belle frappe, technique et précise, qui parfois s'abîme sur la taille ou la force brute. Tout ce qu'il fallait faire, c'était lui sauter dessus. C'est pourtant pas trop demandé. Bourgeois, il a récupéré le ballon. Hip hip hip, hourra! Oh! Passe de dernière minute. Qu'est-ce que ça va donner? Ce joueur est entouré par l'équipe adverse. Ça risque de ne pas être beau à voir. Touchdown, touchdown, touchdown.